Nous sommes à Chefchaouane, donc ça fait déjà 3-4 jours, la ville bleue du Maroc. Donc là, on s'est arrêté sur un point de vue, donc on va... Donc la Médina, tout ça, c'est vers là-bas. On va aller faire un tour. Donc ce matin, il y a un peu de brume, un peu de nuages. C'est assez rigolo d'ailleurs. Voilà, un beau point de vue, hein. Fais le tour. On va aller à une nuit pour payer le mois de téléphone. Le marché central de Chefchaouane. Bon alors si il est 11h moins le quart et c'est encore beaucoup de choses et fermé. Mais on va aller voir les médinas. Là, c'est le marché aux poissons. La ville bleue.
Il y a encore pas trop de monde parce que le matin on est à... Il est 11h. Donc nous sommes dans la vieille ville de Chefchaouen, la vieille. Bonjour. Des pigments pour ceux qui aiment faire la peinture avec le bleu de Chefchaouen. Merci, Choukran. Une petite place dans la médina de Chefchaouen. La Plaza Kenitra. Bon, on a monté, maintenant on redescend. Ça va plus facile par là. Bon, ça n'a pas à voir avec celle comme fait. Hein. Ici, c'est tout aéré, c'est super joli. C'est agréable. Surtout qu'il n'y a pas grand monde. Et qu'il fait pas trop chaud. Bon, il fait 28, 29, pas plus. Donc, ici, c'est la place
Et là, c'est la Casbah de Chef Shawen. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, une Casbah, c'était une grosse maison fortifiée, dans le temps. Hein. Et dedans, les gens y mettaient tous leurs produits qu'ils avaient récoltés, le blé, tous les aliments. Et c'était gardé. Et eh ben c'est la place centrale de l'ancienne ville, de la Médina, de Chef Shawen. C'est pas mal, hein? Tout en pierre. Ah, c'est beau. Belle vue, hein? Ah, c'est super. Voilà, on choisit son poulet. Voilà, la dame a choisi un poulet. Elle le pèse. Et puis il va passer à la casserole ce soir. Non, il était trop assez gros, trop gros. Un autre. Bon, quand on est arrivé avec la caravane aux fesses, et ben voilà par où on est passé. Vous allez voir que ça monte sérieux. Voilà. Un beau Z, parce que là on retourne à fond côté gauche. Là, ça remonte, hein. Là il faut des chevaux, hein. Du couple. L'autre il a une Dacia, elle arrive même pas à monter, il est tout seul, hein. Imaginez ça avec une caravane derrière. Et là, nous allons arriver au camping. Le camping Azila de Chef Shawen. Bon, l'entrée du camping n'est pas goudronnée. Voilà, il y a un plot, on ne sait pas pourquoi. Le gars va venir, enlever le plot et remettre le plot après qu'on sera passé. C'est assez comique.